Et yo tout le monde, c'est Tchob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors aujourd'hui, je suis ici, alors, waouh, c'est un flou. Donc je suis allé chercher le charbon là dont on parlait la dernière fois, vous savez, pour les pour la fabrication des stator, rotor, moteur. Bon, c'est un peu chiant là, ça veut pas se déflouter un coup là. Voilà. Donc voilà. Perdu. Donc j'ai fait tout le chemin. En plus, oui, bah oui, petit cadeau. Alors j'ai pas fait tout le chemin. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, j'ai fait 99,99% du chemin, voilà. Et on va voir, déjà je vais vous montrer, le chemin. Alors on y retournera à la mine un peu plus tard, parce qu'il va falloir que je l'améliore, etc. Je suis également allé chercher, oh la vache, tout ce qu'il fallait. Bah alors, je peux pas... Voilà. Tout ce qui est cuivre, fer, enfin j'ai réaménagé, enfin vous allez voir, c'est un bordel monstre. Mine de rien, je crois que vous avez un petit avant-goût de toute la route que j'ai fait. J'ai failli tomber aussi. Mais bon, ça vous avez l'habitude. Désolé aux frayeurs que je vous donne à chaque fois. Ça vous fait le même effet que moi à chaque fois, bordel. Ah, c'est une dinguerie ça par contre. Voilà. Oh, dis. Voilà, on va y arriver. Ah. Ok, il y a du chemin hein. Ah, mine de rien. J'ai bien dû passer 2-3 heures dessus. Hein. Bon, j'exagère. Quoique deux, si. Ah, voilà. Alors, ici. Je n'ai pas terminé. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne peux pas. Chevauchement sur un autre objet, risque de coupure. Et effectivement, ici, j'ai du quartz brut. Et ça nous dérouille. Unknown crystalline mineral collected. This mineral is composed of the same chemical elements as quartz and may yield similar industrial functions. Research it in the MAM to establish classification and potential application. Voilà, donc on va pouvoir faire quelques recherches à base de quartz bientôt. Donc c'est pour ça que je voulais le débloquer, pas finir la route tout de suite et la débloquer avec vous. Hop, on va également relier en électricité. Parce que c'est pas fait. Juste alimenter. Ah oui, ça serait bien que la clé. Voilà, donc je me suis fait une petite plateforme. Là, on a la mine là-bas où il y avait notre prod de cadre modulaire. Donc j'ai retiré tout ça. J'ai retiré tout ce qu'il y avait dessus. Ici, j'ai mes deux autres mines de fer. Et juste là, on peut planquer. Voilà, là. Derrière, là, j'ai la production de le cuivre. Voilà. Donc, on va alimenter tout ça, là. Bon, on y voit que dalle. Le droit de... Ah oui, j'ai pas le bon, j'ai pas la bonne prise murale, voilà. Oui, ça va. Hop là, ah oui, alors, on va faire un truc, c'est que 1, 2, 4, 5, hop, voilà, on est arrivé là. Et là j'ai pas vu, mais en fait j'ai pas fait le mur ici. Ce sont des choses qui arrivent. Enfin j'ai pas fait le mur, j'ai pas fait l'arrivée de ce qu'il fallait ici. Donc là on le fera 1, 2, 3, 4, 5. Quoi encore? Pourquoi ça veut pas? Ah oui. 8. 2. 3. 4, 5, 3,
c'est pas grave. 2, 3, 4 et 5. Impeccable. Ce qui fait que là on arrive dans le coin. Là. Bah là au final j'ai encore de l'alimentation sur un mur donc. Alors je mets des murs pour 3. Alors oui. Je mets du mur à 3. Pourquoi? Sachant que là c'est tout seul. Parce que je me dis qu'à un moment, un jour, il est possible. Il y a un monde dans lequel j'ai besoin de faire arriver autre chose. Si j'ai besoin de faire arriver autre chose, ça m'arrange que le mur soit déjà présent. Tout simplement. 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai pas mis, super. Hop, on le met là. Voilà. What the fuck, c'est droit ça, hein, c'est dégueulasse. On va pas faire comme ça. Hein. C'est bon. Eh hey, oh, mon vieil, je peux pas. C'est quoi ça, droit là, droit, c'est pas droit ça, c'est tout sauf droit. Tac, voilà. Là, ça c'est droit là. Hop, on relie. Lui il est alimenté parce qu'il a sorti du. Attends, mais il a sorti du minerai en plus. Il est alimenté lui. Ah non, non, il a pas sorti de minerai. Bon. J'ai cru. Hop, là on alimente, là on alimente. Et là. Lui, ah bah longtemps là. Attends, il commence à bouger. Donc chauffe Marcel. Pourquoi j'ai mis du MK3? Ah c'est l'habitude je crois. On produit combien? Ouais. Tant qu'à faire hein, du MK3 la journée. Youhou. On va apporter. On va c'est ça, apporter le cuivre. 2, 3, 4. 5, 6, non. 4, 5, okay. Et... Monter comme ça, c'est fastidieux. Voilà. Ça mine pas ça. Ah si. L'impression. Si c'est bon. Oui, on va passer par là. Et là je devrais aussi avoir les premiers... charbon qui devra arriver d'ici peut-être une ou deux minutes, le temps même peut-être un peu plus, le temps de... Parce que ça vient de loin quand même le charbon. Il vient pas d'à côté clairement. Oh, j'ai pas été bon dans mes calculs, c'est pas grave. Alors, au niveau des constructions, normalement... J'ai déjà tout théorisé, attends, dès que je regarde mon petit truc. Alors je prends en compte 720 de minerai de fer. Et je demande à ce qu'il me sort par minute 15 rotors, 15 stators et 15 motors. 15 rotors, c'est vrai qu'en français, 15 rotors, 15 stators, 15 moteurs. Voilà. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de 17
17 fonderies. Comment ça s'appelle? C'est vrai que c'était renommé. Au fourneau. 17 au fourneau. Putain. La consommation d'électricité, elle va être sympa. 17 hautes fonderies dans lesquelles j'envoie 506. On aura 500 à peu près fer, minerai de fer. 17. C'est pas terrible pour les calculs tout ça. Hein. Je vais mettre en ligne. Pas mon kikiné, je vais mettre tout en ligne là. Hop, en espérant avoir assez de matériaux. Et peut-être aussi en resserrant un peu tout. Vous savez quoi? Je vais le faire à l'envers. Là je suis en train de réfléchir, je vais le faire à l'envers. Je vais commencer par le le cuivre. Le copper. J'en ai 180, j'en ai besoin de 180. Et j'ai besoin, donc pour ces 180, j'ai besoin de 6 au fourneau. Je sais pas si ça passe comme ça. Ça va être resserré là. Ouais, je peux agrandir par là, j'ai la place au pire. C'est pas très grave. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, effectivement, je pense que j'aurai besoin d'agrandir. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être que je fasse les alimentations avec. Tout mon minerai devient du lingot. Voilà, je cherchais le nom. C'est par où je le dimanche, lui. Je vais monter par là. Ouais, c'est bon, le charbon il arrive. Il arrive pas très rapidement. Hein. Ah ouais, mais c'est du normal, on va voir. Je verrai tout le long, je vérifierai que j'ai bien tout ce qu'il faut. Donc 6 smelter. 6 au fourneau. Ça quand même à chaque fois. Couler, ah ouais, vas-y. Je peux pas. Oh la vache, ouais, je suis obligé de coller comme ça là. Ok, coller. Ça a pas marché. Voilà. Donc si au fourneau. Si je me faisais une petite descente propre là parce que. Il la descend. Voilà. Alors. Répartiteur. Tac et tac. C'est bon. Là, il n'y a plus qu'à le faire tout le long. La même chose. Voilà, on a notre alimentation. Je suis en train d'y penser, mais on va le faire différemment. Comme là j'ai de la place, bon, ça me saoule ça. Oula, mauvaise idée. On va le faire différemment, tac. Donc là on va laisser le répartiteur.
Interrupteur, je crois que c'est comme ça. Ouf. C'est bizarre ça. Je me serais gouré là. Ah oui, je me suis totalement gouré là. On alimente, on alimente, même principe ici. Est-ce que je peux voir? Oui. On alimente, on alimente, on alimente. Comme ça, la division des minerais sera beaucoup mieux faite. Si je fais comme ça. Là j'envoie, je répartis. Je sais plus si ici ça fait. Oui. Donc là. J'envoie 180. Là je répartis 90 et 90. MK2 c'est comment déjà? Ah 120, ah oui c'est bon. 90, 90. Hop, et là je peux partir sur du MK1, du MK1. MK1 et du MK1. Et là, normalement il y a tout qui est bien mangé, tout pile. Là, on devrait avoir notre production de rien du tout. Ça charge? Ça charge même pas. Attends, c'est un délire. Comment ça se fait que ça mange tout ça là? La vache, c'était juste pour le bébé, juste pour placer. Oui. Tac. Là j'alimente, on fera un autre système d'alimentation plus tard à base de. De Cooper, enfin je sais plus comment ça s'appelle même. On va voir au niveau de la conso. Conso max, production. Ok, conso max mine de rien. Ça consomme. À partir de là, j'ai 12 constructeurs. Donc déjà. Alors là, je sais pas si ça le fait, mais à mon avis, c'était plus rapide. Je peux limite le rapprocher. Hein. Attends, on va voir. Ça me paraît un peu. Ouais, non, c'est vrai, c'est un peu limite. Éviter l'abuse. Éviter l'abuse, je veux dire. 3. Ensuite, ça va, j'avais dit que dans des constructeurs. La question c'est est-ce que je mets les constructeurs là? Ça fait vachement proche. Hein. Faut que je divise par deux chaque prod, chaque point de prod. Ah, il y a moyen. Ouais, il y a moyen que ça passe bien, ouais. Câble. Et ici la même chose. 2, 3, 4, 5, 6, il faut que je fasse
pas du... Du wire, du câble. Du câble électrique. CTRL-V, 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 on est bien, oui, on est bien. Hop, CTRL-V, CTRL-V, j'en ai loupé un. Oui, celui-là. CTRL-V, CTRL-V, hop, ensuite la ligne. Je me suis planté, je me suis planté. Hop. Tac. Wow. C'est quoi ce bruit chelou là? Un problème d'alimentation? Non? Ah, il y a un bruit. Il y a un bruit dans le jeu. Ah, c'est tout qui est à l'arrêt parce que c'est plein. Ah, ah oui, d'accord. Mais c'est, ça fait un bruit chelou quand c'est plein ça. Hop là. Ça c'est la ligne. On va faire la sortie en même temps. Hop. Et la deuxième sortie, la deuxième rangée de sortie. Hop, 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 hop. Voilà, donc toutes les premières rangées c'est de l'alimentation. Et c'est là où il va falloir être bon, c'est que... Attends. Non, ça c'est de la sortie, ok. C'est que là, si je me trompe pas... Ah, c'est pas cool, je crois que c'est pas cool. Ça passe ? Hein ? Pourquoi c'est... Pourquoi c'est décalé le premier ? Le premier est décalé. Ah non, il est pas décalé. Ah non, c'est ça. Ah putain, c'est moi qui ai décalé. Je suis. Ouais. Ah ouais, là, c'est pas beau là. Parce que là, j'ai mon répartiteur qui est en plein milieu. On voit que c'est pas bon. Si je le mets là, on va avoir le même problème de l'autre côté. Ah, terrible ça. On va essayer de changer. Là. Je vais le rapprocher alors. À rapprocher, on va essayer. Bon. Un peu abusé ça, mais bon. Là, si ça tourne, c'est que ça a renvoyé. Donc. Hop. Hop. Hop, hop, hop.
je me permets ça, ça fait moins beau là, et encore ça passe en vrai. En vrai ça passe bien, moi c'est juste que ça s'emboîte pas bien les uns dans les autres les machins. Et en dessous là je serais bien pour la répartition. Et oui, normalement. Ah ouais, mais attends, mais j'ai l'impression d'en avoir gagné deux en place là. Bon. C'est pas grave. Ça, ça, et ça, comme ça. Et là on est bien. Je vais rajouter un de largeur. Parce que c'est pas très beau. Là c'est, ça va un poulet dans le vide. Et je répète ce pattern pour l'alimentation de tous les différents trucs. Donc tac 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 tac. Ça c'est la ligne par là. Quoi? Ah purée. Je vais avoir le même souci ici mais je m'en suis peut-être pas rendu compte. C'est... Ah non, c'est bien droit là. Tiens, c'est bizarre. Le droit fonctionne pas. Bon, les quelques petits soucis avec le machin, mais c'est pas très grave. Ok. Bon, déjà, il y a tout qui est alimenté. Maintenant, on va faire la récup. La question, c'est comment je vais la faire la récup. Bon, déjà, avec ça. Hein. Putain, je suis bien le premier coup là. Magnifique. Est-ce que la récup je la fais comme ça? Mais là non. Est-ce que je la récup je la fais? Je peux. Ah, c'est moche ça. Pas de peau. Ici, je suppose que ce sera dégueulasse. Ah, je peux peut-être faire ça. Là, si je fais comme ça, et comme ça. Ouais, c'est pas beau. Hein. Non, bah écoutez, on va faire comme ça. Hein. Au moins que j'en trouve un autre. Ouais, c'est bien là. En vrai de vrai. On va faire ça hein. Et c'est là. Voilà. Donc là on récupère nos câbles. Là, on a le capteur. Hop. Voilà.
Et comment on est là? Ça reste un groupeur donc. Et le groupeur, j'envoie tout par là. Voilà. Là, je crois qu'il n'y en a plus ici, hein. Ça doit être le dernier. On va s'en rendre. Entrer la tronçonneuse, on n'a pas besoin. Hop! Hop et hop! Voilà! Donc là, on récupère tous nos fils électriques. Et là, on va passer à. Nos fonderies. Fonderies avancées. C'est ça? Non. Ah, mais dis! Fonderie, tout court. Okay. Et ça, il m'en faut 4,5. C'est pas facile de faire 4,5. Ah putain, ça c'est un pouille à grand en plus. C'est un pouille à large. Ah, c'est pas cool. Bon, c'est pas grave. Donc 5, 1. Ah, j'ai pas de rotor. Oh, terrible ça. Bon, j'ai stocké plein de coffres là-bas. Je devrais avoir un peu de chance. Avec un peu de chance, je veux dire, je devrais avoir stocké quelques rotors là-bas. Sinon j'ai pas détruit mon usine de fabrication, ouais. De rotor donc. Tiens, on va trier un coup. Donc j'en ai encore pas mal en production. Donc fonderie. Il me manquait rien d'autre hein, pour les fonderies, hein, dis-moi. Non, parce que tant qu'à être là. Bah si, cadre modulaire. Ah non. Il m'en faut 5, j'en ai fait une. Donc ce sera là. Hop, 2, 3, 4, 5, voilà. On est déjà arrivé sur le bout de la largeur que j'avais donné. On va vraiment pouvoir agrandir. Bon, dans ce sens là ça va, c'est dans l'autre sens où c'est un peu plus embêtant parce qu'on peut pas du tout. Hop, voilà. On précise que c'est pour de l'acier, de toute façon. Je ne peux faire que ça. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu. Alimentation, c'est minerai de fer et charbon. Mon charbon, ça va, il est là. Et mon charbon n'est utilisé que pour ça. Donc la répartition du charbon va être plutôt simple. La répartition du fer va être un peu plus complexe. Mon charbon, je vais vraiment pas m'embêter. Je vais tout envoyer. Je vais mettre un truc tout droit là. Je vais mettre un répartiteur. Oui. Hop là, je me répartis comme ça. Là, normalement. Ah. Alors j'aurais pu le mettre juste à côté, ça aurait été mieux. Voilà.
booster comme ça. Hop. 3. 4. 5. On a combien en charbon? On a 180 également. Non, 200. 200 donc. Oh, c'est chiant ça aussi. Allez, où l'arrivée est là. Ouais, bon, on va peut-être éviter de faire comme ça. Ah, ouais, mais là ça me bloque. Oh, terrible. On fait comme ça, on verra si à un moment on a besoin de changer. Hein. C'est pas, donc là, on a 200. C'est combien ça déjà que ça mange? J'ai un doute, je crois que c'est 45. J'ai un doute. Ouais, c'est à 45. Donc ça mange 45 de charbon par minute, la vache. À peu près combien on va partir sur 205. 205 moins 40 à 160, donc ça reste bien 4 3. 160 moins 45 115, donc ça c'est bien 4 115 moins 45 70, donc ça reste bien 70 moins, oui ça va ensuite ça t'en rend plus. Ok, là, pour ça on va alimenter un tout petit peu différente. C'est-à-dire, on va passer par un... Oh, j'ai les pylônes. Ah, yes. Par ça. Que je mette ici. Je pense qu'on sera bien. Oui. Alors. Oui, ici, mais... plus comme... Plus en face, en fait. Voilà. Hop. Oh, lit comme ça on n'est pas embêté. Voilà. Et là il me faut 200. Ouais. En fait, il me faut 202,5, ouais, c'est précis. Sachant que je suis parti sur 701 divisé par 3. C'est à peu près l'alimentation d'un truc là. Je m'arrangerai pour avoir 202 de production de charbon. Et ça calculera. Là, je calculerai ça là-dessus. Ouais. On va faire comme ça. Alors. Alors c'est là où faut être bon. Là je suis vraiment pas bon à ce jeu là en plus. Oh yes. Merde. Oh. On a l'air droit en plus ça. Pas du tout, pas du tout. Pas droit du tout là. C'est dingue. Ah mais oui d'accord, oui si c'est bon d'accord, je comprends pourquoi. Allez. Voilà, ce sera mieux là. Putain. Par contre je suis un peu dégoûté, j'ai réussi à faire la bonne hauteur dès le premier coup et là. Non mais c'est non, mais mon vie est haut. Des blagues là. C'est pas roi ça, si. Ouais c'est moi à force. C'est pas le roi du tout. Pourtant, je suis aligné sur les deux là, sur les. Ah oui, je suis bien aligné en plus, c'est quoi le délai?
très bien. Hein. Alors, tac. Voilà. Et là, on prend. Oh, oh bah, elle est où ma montée? Ah bah super, j'ai pas de... J'ai pas fait de montée. Voilà. Là je suis bon là. J'ai pas l'air hein. J'ai l'impression, alors je sais pas, ça doit être un... Je sais pas si c'est un effet d'optique ou j'en sais rien, mais j'ai l'impression de pas être en face quoi. Regarde ça, regarde. Tout là, 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 hop, hop. Ah, ça c'est bon en plus hein. Si je fais une double rampe. C'est une dinguerie. Lui il est en face, il est en face, il est en face là, hop, tac. C'est là, normalement il devrait être là. Et ça en théorie c'est en face. Non mais c'est pas en face, c'est jamais en face, mais... C'est pas en face, c'est pas droit. Ah mais si c'est droit, ça bouge pas du tout, attendez c'est quoi le délire. Il y a un effet d'optique à la con qui... Putain, enfin... Bon, bon c'est voilà. Bref. Bon alimentons tout ça. Je vais alimenter, je vais faire passer par là le répartiteur, le premier répartiteur. Je pense qu'on est bien là. Oui, on est bien. J'ai de la place, on va l'utiliser. Le dernier, voilà. Voilà, 60, pas plus. Hein. On prend 45. Voilà, là, par contre, faut que ça déboîte. Tac. Tac. Tac et tac. Oui, c'est bon. Ok. C'est impeccable. Et on a vraiment l'impression que c'est pas le roi. Hein. Non, mais c'est une dinguerie. Bon, ça doit venir de moi. Hop, et toi là, tu vas sur. Voilà. Comme ça on commence la prod. Voilà. Bien, ça remplira petit à petit. Hop, premier. Ah, ouais, d'accord, premier qui va. Ok. Voilà, on entend les fonderies là se mettre en marche. Bon, ils tourneront pas à fond au début, de toute façon. Parce qu'il faut que je les. Pas remettre bien, ce qui n'est pas du tout encore le cas. Rien que ça, ça va pas alimenter, enfin ça va pas produire assez en fait. Par contre, c'est bizarre, ça devrait débiter à balle quoi. Ah bah non non non, le charbon on est déjà aliment, c'est ça qui doit débiter à balle. Ensuite, on a nos constructeurs de
steel pipe de truc d'acier là. Il a du mal à se placer là. Ah, on va réussir. Voilà. Poutre en acier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y en a quelques-unes qui tourneront pas. Enfin, ma prod tourne à 80. Combien de pourcent hein. Tournera à 96%, un truc comme ça. Hop. Ça va consommer déjà un peu. Hein. Ouais, mine de rien, on a un peu augmenté la conso. Hop, donc chaque truc produit 45. Merde, j'ai pas vu les constructeurs combien ils prennent. Ça c'est la sortie, ça c'est l'entrée. Oh, c'est vachement proche là. J'ai peut-être été gourmand là. C'est pas grave, on va le faire comme ça, en vrai, on a de la place de ce côté. Donc là je mets un répartiteur. Hop. Les bords sont les plus faciles à faire entre guillemets. Oh merde, je manque de plaque de fer. C'est bon, j'en ai pas. Et là, y a du fil hein, y a du fil électrique hein, mine de rien. Plaque de fer, bonjour. Ah, y en a 400 là. Pas des masses non plus, de la plaque de fer.
Il est pas dans le bon sens du tout là. C'est chelou cette histoire, tiens, qu'est-ce que j'ai foutu sur le... C'est le tout dernier. Ah! Pas voir ce qu'il en est sûr. Alors. Là, ça sort là, ça rentre. Ah mais c'est parce que j'ai rien peut-être. Ah, je sais pas. C'est bizarre cette histoire, tu vois. Et là. Peur. Là, je mets du M4-3. Alors là, je mets du M4-3. Ah oui. Ah, oh merde. Ah, ça, c'est chiant. Je vais pouvoir gérer ça. Ça devrait le faire, j'espère. J'ai pas le choix. De la largeur là, j'espère que ce sera bon. Le trajet, ah oui le trajet là. C'est quoi ça? Ah oui, ce sont les alim. Ah oui, bah, c'est ça. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ça soit encore des trucs là, qu'il faille repartir. Oh, je te passerai. Dans le bon sens. Hop, du MK1, please, merci. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de ce que je fais là. En fait, chacun alimente 2, hein. Donc si chacun alimente 2, normalement ça devrait être bon. Si chacun alimente 2. Non bah si chacun alimente 2 c'est bon. Et je pourrais mettre que du convoyeur 1. Tac. 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 D'accord, on va vérifier lui alimente 2. Lui alimente 2. Lui alimente 2. Lui alimente 2. Il alimente 2. Donc la logique veut que ça soit bon. La logique veut que ça soit bon. Ça. Là tout ça c'est bon. Et la fusion des fils électriques et de ça et de mes plaques d'acier est censée me donner 9 des stator et j'aurai 9 productions de stator. Et ça me donnera 15 9 assembleurs, voilà, et ça me fera 15 par minute. Oh la vache. Donc tout ça c'est que pour les stators ce qu'on a fait. Oh putain c'est bizarre, pourquoi il a pas groupé. Attendez non parce que je suis en train de voir un truc là et Ah non, oui, alors, oui, non,
Non, alors oui. Non, ça va me faire 9 assembleurs, voilà. Je me dis, il y a un truc bizarre. Ça va me faire 9 assembleurs de Stator. Et je vais en avoir donc une production de 45 par minute. 30 qui iront la production de moteur et 15 bah, qui iront simplement pour du stock. Ok, ça, ça me va. Est-ce que j'ai trouvé faire des assembleurs? Des assembleuses. Oui, impeccable. Après les assembleuses, je vais les mettre ici. On va essayer de garder un peu de place. Tac tac. On va les mettre là. Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que je vais avoir besoin de place. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Ok. Des tuyaux en acier, c'est pas des... Merde, je viens de me tromper. Faudrait que je change la production de ce que j'ai fait. Bon, après c'est pas grave en soi. L'infrastructure est bonne, c'est juste la production, le type de production qui est pas bon. Je vais juste modifier le type de production, je récupère ce que ça a déjà produit, ça sera du MK3. Hop. Ça fera rien du tout parce que... Quoi, ça produit rien? J'ai pas alimenté? Ah si, d'accord. 2, 3, 4, 5. Alors j'en ai quelques-uns qui sont pas alimentés. Tiens. J'ai vu là qu'il y en avait quelques-uns. Lui. Non, lui il a alimenté mais il a rien pour l'entrée. Et lui il a pas d'alim. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah mais c'est lui. Ah oui non. Lui où j'ai galéré, ouais. C'est bon. Il a alimenté lui. Donc là j'ai mes... Oh la vache. Mes assembleuses. Qui va être alimenté aussi. Combien de tuyaux là? 20 tuyaux par minute. Ok. Ça là, j'en ai 135 à répartir dans 9 assembleuses. Donc oui, on est bien. 9 x 15, 135. Je vais pouvoir faire un truc qui suit, hein. Je vais pas m'enquiquiner. Et l'autre... Là j'ai tout regroupé dans un. Vraiment la feignant quoi. Et je vais faire passer de l'autre côté, tiens d'ailleurs. J'en ai
on aura de la place. Tac tac tac. Donc on perd nos répartiteurs. Alors comme ça c'est mieux. Voilà. Et maintenant, merci. Voilà. J'en ai 9. 8. Et 9. Petit. Non mais j'ai encore l'impression que c'est pas droit. Ouais, j'ai un souci là. J'ai un strabisme à l'œil ou quoi? C'est quoi le bordel? Oh non, ça m'a l'air droit le reste. Hein. Là, je sais pas, c'est dans le jeu. Il y a un effet d'optique dans le jeu qui est un peu bizarre. Moins 15, donc MK2. 120. Oui, là on a 120. Là on a 105. Là on a 90. Ah. 75. 60. Alors, on va passer à du MK1. 45. 0. Parce que là, attends, on va le faire dans l'autre sens. 15, 30, 45, 60, ça c'est du MK1. Ah, 60. 60, oui, là c'est déjà différent. 75, 90, 105, 100. 20. 35. Tiens, j'en ai en trop. Qu'est-ce que j'ai foutu? Hein? Je me suis gouré? J'en ai fait 10? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah non. Ah, et c'est quoi la dinguerie là? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Ah non, je suis bon là, 135. Ouais. Bon, le principal c'est que ça soit bon. Tout ça, on regroupe. On regroupe dans ce sens là. On groupe heure. Paf. On va dans le bon sens. Tac. Ça produit combien? 20? 2 4 6 8 10. Ah mais il y a une couille, ça produit pas 10. Ça produit pas 20, je veux dire. Ça doit être 25. Oui. Vous en faites pas, hein. Je reste AFK des bons moments. Attends, 2. Une recette 140. À quel point je me suis gouré dans mon truc. Quel point je me suis... Ah bon déjà, oui, non mais là, oui, alors déjà 2. Ouais, tu vois, là c'est dingue, là j'ai vraiment l'impression qu'il est pas droit le machin. J'ai l'impression que c'est le bord de l'écran. Ah ouais, quand je fais ça là. J'ai l'impression que ça fait une courbe alors que non.
Ah putain, c'est le bord de l'écran. Deux. Manque de barre de fer. Putain. On s'en fout. Deux. Quatre. Six. Huit. Dix. Douze. 14, ok, oui, c'est bon. Bon, je vais chercher les. Là, je vais chercher rien du tout parce que ça, on a ce qu'il faut. Courir et trop long. Oh, terrible, de rien. Vraiment de rien du tout, regardez. Et du coup, faut que j'aille chercher une tige. Au moins, ouais, des tiges parce qu'une, on va pas aller mieux loin avec une seule tige. Oh. Terrible ça. Tige de fer, tige de fer, tige de fer, merci. Donc tac, 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 voilà. Non. Et tout ça devrait produire. Ensuite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien on a dit 360. Ah non. Les convoyeurs ils font pas 360. Ah, c'est ballot ça. Bah on va faire la bonne franquette. On va faire l'ancienne. C'est que. Attends, 360. Bah, c'est 60. Ah oui, chacun. Ah bah non, c'est bon. Oh, j'ai même pas besoin de m'embêter parce que ça, ça me prend 60 par minute. Oh non, c'est le répartiteur. Parce que ma prod, c'est 60 par minute, ouais, donc impeccable. 3. 4. Lui il est spécial, lui il est spécial. C'est pas un répartiteur en plus, c'est un regroupeur lui. Tac. Une. Un. Là, j'ai 180 de chaque côté. Je produis 360 avec 6. 180. Ah non, mais c'est pas 60 alors. C'est pas du tout 60. Je sais pas ce que j'ai dit. Mon... c'est pas grave. 160. J'avais dit avec 6. Non, 180. 180. Attends, 180. C'est bon. On va y arriver. On va y arriver. 180 moins. Je sais pas combien. 30, c'est 30 par machin, ok. Si je me trompe pas dans mon calcul, c'est 30. 12. 9. 9. Pas du tout. J'ai la flemme. 12. 1. Je fais quoi ? Divisé par. Non, mais c'est pas ça du tout, c'est 9. 40, ok, c'est 40. Donc 40, donc 180 moins 40, 140. Donc. MK3. 140 moins 40. MK2. 140. 120. Non. Oui, 60. Ça me fait chier ça. J'ai 180 qui rentre. Là ça me sort à 140. J'ai 140 qui rentre, ça me sort à 100. J'ai 100 qui rentre, ça me sort à 60. Voilà. 100 qui rentre, ça me sort à 20. Ça. Ça j'ai ça. Ça j'ai ça. Et ça j'ai ça. Ok, on va y arriver.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc là, des groupeurs. Je remets les groupeurs ici. Je peux en recoller un tout petit peu plus. Voilà. En entrée, c'est bon. Tac. Tac. Et là par contre il me faut du MK3. Ah, c'est pas terrible ça. Si. Ouais, si c'est bon. Ça passera comme ça. Comment ça se fait? Ah merde, j'ai pas fait ça bien. Répartiteur. Et voilà, et normalement, on a tout qui devrait bien produire, on devrait avoir du stator avec ça. Alors, il y a tout qui devrait bien. Ah non, non, il n'y a pas tout qui. Oh merde, il n'y a pas tout qui devrait bien produire. Il y a. On a un manque de charbon et on a un manque de fer hein, en soi en plus. Hein. Ce que j'ai pas encore amélioré. Je pensais avoir. 360, non. 100, je suis fatigué. Hein. 240 de production au niveau de la mine, ce qui n'est pas le cas. Il me faut du MK2, je crois. Mais on voit que tout tourne. Tout ça, là, je récupère. Et il n'y a que les trois derniers. Que je renvoie dans le système. Et tout ça je peux récupérer, ça me fera de la matière première, enfin de la matière première, non. 4, 5, 6, ça me fera du... Ça s'appelle qu'il me manquait encore des plaques de fer. Et ça me fera... Hop. Ça, c'est bien, une œil correcte. Hein. Voilà. Et là, oh. Attendez, et là, oh, c'est ballot, il me manque un tout petit peu des plaques de fer. Bon, j'irai les chercher pour le prochain épisode. Je vais préparer un peu logistiquement, je vais aller améliorer les foreuses et tout ça et tout ça. Et je vous retrouverai pour faire la partie rotor qui sera elle faite exclusivement à partir de fer. Donc de vis et de le rotor c'est quoi? Quoi? J'ai pas besoin que de vis pour les rotors, je suis quand même pas taré. De rod, c'est quoi? C'est des tiges hein? Oui c'est des tiges et des vis. Ok les rotors ce sont des tiges et des vis. Donc voilà, oui. Là je vois, besoin de 34 constructeurs juste pour faire des vis et 29 constructeurs pour... Non, 34 constructeurs pour faire des tiges et 29 pour faire des vis. 12 assembleurs, yes, et encore 3 assembleurs pour les moteurs. Et ben ça va nous faire du travail. Ben, j'espère que cet épisode vous aura plu en tout cas et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain et peut-être finir la construction des moteurs. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.